Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai un peu de temps là pour la filmer et ça va pouvoir aussi permettre de faire un petit update pour ceux qui n'ont pas du tout suivi ce qui se passe cette année sur la chaîne. Donc tu l'as vu dans le titre, ça sera une FAQ qui est un peu plus orientée sur mes nouvelles études qui sont le DU de Paris 1, préparation au concours de la conservation. Donc c'est des études qui sont un peu particulières et qui font que en fait globalement, même si c'est un DU, je suis en fait dans une année de prépa, hein, on va pas se le cacher, pour préparer ce fameux, pour préparer un des concours de la conservation, je le précise. Donc bref, on va revenir un peu là-dessus parce qu'il y a des questions qui vont me faire développer ce point-là, donc je vais pas tout de suite le dire. Donc déjà la première question, quelle est la différence entre la prépa et le master de patrimoine et musée concours? Donc c'est vrai que c'est pas forcément extrêmement clair, mais en fait à Paris 1, pour se préparer à ces concours de la conservation, il y a deux types de cursus. Soit tu fais un master 2 qui s'appelle préparation au concours de la conservation, soit un DU, préparation au concours de la conservation. Globalement, c'est absolument la même chose puisque le DU est intégré en fait dans le M2, je suis avec les étudiants du M2, etc. En fait, la seule différence, c'est que le DU, c'est plutôt pour ceux qui sont en réinsertion professionnelle, qui ont loupé le coche, par exemple, des inscriptions et qui ont déjà un M2. Ou qui ont déjà validé le fameux M2 préparation au concours et qui souhaitent rester à Paris 1 pour continuer à préparer un des concours de la conservation. Du coup, en fait, globalement, tu peux avoir déjà un master en histoire de l'art et aller en M2, chose que moi je ne savais pas et que je n'avais pas bien compris dans les fiches d'information du cursus. Moi, je pensais que c'était uniquement les élèves qui avaient fait le M1 patrimoine et musée ou voilà. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc, c'est juste que ceux qui ont fait le M1 patrimoine et musée ont la priorité pour accéder à ce master, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, j'espère que c'était clair parce que c'est un truc qui est particulier à Paris 1, sachant que ce cursus est en partenariat entre Paris 1 et Nanterre. Du coup, dans ma promo cette année, on est, il me semble, 50 et en fait c'est un mélange de des gens du DU, des Master 2 qui sont divisés entre ceux de Nanterre et ceux de Paris 1. Et on suit ensemble tous les cours, etc. Et voilà, on est évalué de la même façon, etc. C'est juste après au niveau administratif et des référents où on n'a pas les mêmes. Globalement, c'est un peu ça. Ensuite, pour ce qui est du concours, donc je vais le préciser parce que c'est vrai que CDU, enfin le M2 et le DU préparent au concours de la conservation au pluriel. Moi, le concours que je veux passer, c'est le concours de conservateur de l'INP. Donc c'est un parmi trois auquel il prépare. Il y a aussi le concours d'attaché de conservation, mais celui-là, il n'est pas disponible chaque année. Et il y a aussi un concours d'assistant de conservation. Moi, quitte à réviser et à être sadomaso, autant aller directement sur le concours de la conservation de l'INP. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais faire depuis mes études. Et c'est vers là quoi, que je voulais m'orienter tout simplement. Et les autres m'intéressaient un peu moins. Mais je le dis parce que ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Et du coup, on m'a demandé par rapport à ces concours combien il y a de postes et pour combien de candidats. Alors là, comme j'ai pas les chiffres en tête, je les inscrirai là, sachant que en fait, bah, ça change chaque année, parce que chaque année, il n'y a pas le même nombre de postes, et puis chaque année, il y a plus ou moins d'élèves qui passent ce concours, donc ça dépend. Par contre, sur ces chiffres, ce qu'il faut faire attention, c'est que, par exemple, il va avoir au total, je sais pas, 100 candidats qui vont faire ce concours, mais dans ces 100 candidats, il y en aura peut-être que 50 qui, en fait, vont aller aux 3 épreuves de la première étape et donc valider entre guillemets leur candidature, alors que les 50 autres qui se sont pas présentés aux 3 étapes, bah, sont éliminés d'office, quoi. Voilà, donc ça c'était pour te rassurer un peu plus sur les chiffres.
Donc voilà, j'y pense là, mais pour le concours de l'INP, je vais juste expliquer un tout petit peu en quoi ça consistait tout, parce que sinon, dans mes explications, ça va être un petit peu étrange, tu vas pas forcément comprendre. En gros, concours de la conservation de l'INP, je parle uniquement pour celui-là parce que c'est celui que je prépare et que je connais le mieux. Il y a plusieurs étapes, donc de 1, c'est un concours de recrutement, donc à l'issue de cette réussite au concours, tu vas avoir accès à une formation pour être conservateur, et à l'issue de cette formation, tu seras placé dans un musée, dans un monument historique, dans des archives, etc., en fonction de ta spécialité que tu choisiras. Donc, ce concours, avant d'accéder à cette fameuse formation, ce concours il se présente en deux grandes étapes. La première étape, ça va être les épreuves écrites. Tu as une dissertation générale dans diverses spécialités que je vais t'inscrire, comme ça, voilà, ça sera un peu plus clair et tu auras toutes les spécialités. Voilà, c'est une dissertation qui dure 5 heures, c'est des sujets qui sont extrêmement larges. Ensuite, l'autre épreuve, c'est un commentaire d'œuvre où, en fonction toujours de ta spécialité, là par contre, je pense que je vais pas tout noter parce qu'il y en a vraiment énormément, mais dans la barre d'infos, je te mettrai les liens nécessaires qui complètent mes explications. Commentaire d'œuvre, t'as 4 œuvres qui correspondent à ta spécialité, juste l'image, pas de cartel, etc. Faut les identifier, les analyser. Voilà, bon courage. Et ensuite, à l'écrit, une épreuve de langue où tu as un texte de presse. Ça peut être des sujets autour de l'archéologie, de l'histoire de l'art, mais ça peut être aussi des trucs d'actualité, donc qui n'ont rien à voir avec notre discipline. Donc c'est ça qui peut être un peu tricky. Et il faut traduire cet article vers le français. Et puis, il y a quelques questions de compréhension de texte. Pour cette épreuve-là, tu n'es pas obligé de prendre une langue vivante, tu peux prendre une langue morte et dans ce cas-là, tu as une version à traduire et voilà. Ensuite, si tu es qualifié, que tu as le nombre de points nécessaires pour passer aux oraux, tu passes aux oraux donc, bref. Dans ce cas-là, tu vas avoir 3 grands oraux. Le premier va être un oral de spécialité que tu sélectionneras. Donc moi par exemple ça sera spécialité musée parce que j'ai envie d'être affectée dans un musée et de travailler en musée, c'est assez logique. Et tu auras un sujet, il me semble à tirer au sort, que tu vas devoir préparer pendant une demi-heure avec des textes et des documents qui te seront donnés. Et puis tu passes devant le jury pour discuter de ce sujet et tu es interrogé, questionné, etc. Ils vont essayer de gratter jusqu'au bout, bref, voilà, les grands oraux, hein, tout simplement. Et donc ça peut être des sujets, je sais pas, la question écologique dans les musées, pour les expositions temporaires, la question du numérique, des questions de médiation, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre, la question de restitution de biens culturels, bref, plein de sujets autour des mondes de la culture. Et ensuite, tu as un oral type un peu entretien d'embauche. Et pour finir, tu as un dernier oral de langue qui doit être une langue différente que celle sélectionnée pour l'écrit. Où là, pareil, tu as un article de presse et tu en discutes avec un interlocuteur à l'oral. Voilà. À l'issue de ça, si l'INP te qualifie, tu peux rentrer dans la formation et apprendre à devenir conservateur et puis à l'issue de ça, être affecté à un poste. Voilà. La prochaine question, c'est quels sont les débouchés avec ce concours ? Tout simplement être conservateur. En fait, ce concours, tu le passes pour ce métier précisément, mais ce métier décliné dans différentes spécialités, comme je te l'ai expliqué quand j'ai un peu détaillé le concours. Ensuite, on m'avait demandé si je candidatais à un ou plusieurs concours, parce que ça arrive que, par exemple, quelqu'un qui prépare le concours de conservateur de l'INP prépare aussi le concours d'attaché et peut-être prépare aussi le concours d'assistante conservation. Moi, je me focus que sur un concours. Je préfère rester concentrée que sur un et à voir sur les prochaines années si j'ai envie
d'aller vers un autre concours ou non, mais pour l'instant je me concentre vraiment sur celui de la conservation de l'INP. Voilà. Ensuite, l'autre question, c'est comment la formation que je fais en ce moment prépare au concours. Donc, pour parler un petit peu de la formation, pour l'instant, après, j'ai pas assez de recul pour te dire si wow, c'était excellent, oh, non, c'était vraiment catastrophique. J'ai des idées déjà qui se mettent en place, mais il faut attendre déjà que je passe le concours en août prochain, par exemple. Donc, comment ça se passe? En fait, on a nos journées entièrement libres et on a seulement des cours le soir de 18h à 20h. Ce qui permet, bah, pendant ta journée, de gérer ton emploi du temps. Par exemple, tu vas faire une journée full bibliothèque, mais le lendemain, tu iras faire une expo et puis après, tu travailleras un peu chez toi, etc. Enfin voilà, ça permet de gérer un peu comme tu veux ton emploi du temps et surtout que dans ce cursus, on a un stage obligatoire à faire. Donc ça permet aussi de caler un petit stage et puis d'enchaîner ton stage et le cours en fin de journée. Voilà. Au niveau des cours, on a des cours purement méthodologiques pour nous préparer à la disserte, pour nous préparer aux commentaires d'œuvres, etc. Le premier semestre est plutôt consacré à l'écrit, le second est plus consacré sur les oraux. On nous prépare à ça et puis le samedi, pas tous les samedis, genre là au premier semestre, on aura deux fois des entraînements pour la disserte et deux fois des entraînements pour le commentaire d'œuvre par exemple. Donc ça c'est le samedi bah, on se met dans les conditions du concours et on bûche quoi, voilà, et on souffre pendant 5 heures. Voilà, et ça passe extrêmement vite d'ailleurs, mais bon, passons. Au niveau des cours, on a de tout, de toutes les époques, on a plein d'intervenants différents, etc. Donc, t'es pas forcément obligé d'y aller, c'est quand même recommandé, quoi, pour revoir un peu tes bases, revoir certaines choses, etc. C'est plus un complément que de véritables cours qui vont t'aider... Enfin, qui seront la source primaire quoi, de tes révisions de concours. C'est plus des compléments ouais, c'est plus des compléments, point, je vais pas me répéter. Après, pour ce qui est des langues, bah en fait, il n'y a pas de cours de langue spéciaux pour ce cursus-là. Donc en fait, c'est l'été de langue classique que t'as à la fac, donc c'est pas... Donc oui, ça te fait pratiquer des langues, etc., mais ça te prépare pas à préparer les fameuses épreuves de langue du concours, voilà. Après, ce qu'il faut se dire, en fait, le plus important quand t'intègres une prépa, c'est pas tant les cours que tu vas avoir, ou peut-être les rappels méthodologiques, ça peut être sympa et tout, mais en fait, ce qui compte le plus, c'est de pouvoir faire des épreuves blanches et d'être corrigé par des personnes qui connaissent extrêmement bien les notations de l'INP, voilà. Franchement, faire une prépa, c'est surtout pour avoir ces épreuves blanches là. On va pas se le cacher, c'est vraiment ça le point le plus positif et le point le plus essentiel de ces prépas. Et du coup, en découle des questions sur comment je m'organise cette année, enfin comment je fais, comment je révise, etc. Je vais pas te le cacher. Je crois que j'en ai peut-être déjà parlé un peu, soit dans un vlog qui a été publié récemment, soit dans les prochains vlogs là que je publierai un moment, je suis en train de les filmer en fait actuellement, voilà. Donc là je suis plutôt en tâtonnement méthodologique. Je t'avoue que les profs nous ont conseillé en gros par mois de faire des rétro-plannings, genre par exemple pendant le mois d'octobre bah, tu vas étudier je sais pas tout le 16e siècle italien par exemple. Mais même en faisant comme ça, c'est... Enfin, la quantité d'œuvres et de sujets et de travail qu'on doit fournir est assez impressionnante, donc c'est... Enfin, on s'y perd très vite dans les révisions. Et surtout que comme entre-temps, on a des épreuves blanches, etc., enfin, si tu passes un mois sur le 16e siècle italien, c'est bien, sauf que dans ton épreuve blanche, il n'y aura pas que le 16e italien, tu vois, dans tes commentaires d'œuvres. Du coup, c'est un peu compliqué, je tâtonne un peu. Je trouve un peu là mon organisation et mon train quotidien. Là, par exemple, cette semaine, je me concentre plus sur les commentaires d'œuvres et j'essaye un peu d'aller sur différentes périodes pour préparer en fait le commentaire que j'ai samedi. Au moment où je publie cette vidéo, c'était hier. J'espère que ça a été un minimum. Voilà.
Mais c'est vrai qu'au niveau orga, c'est un peu compliqué. Ce que je fais par exemple pour les commentaires d'œuvres, c'est que je prends les catalogues raisonnés des musées pour récolter les œuvres qu'il y a dans tel ou tel musée, voilà, tout simplement. J'essaye de faire un tri sur les œuvres qui pourraient potentiellement tomber au concours en fait, parce que, enfin, je sais pas, il y a des œuvres qui auront pas forcément d'intérêt. Parce que les œuvres présentes dans un sujet sont là pour une raison, parce que ça mobilise certaines questions muséales, certaines questions de médiation, de conservation, etc. Je sais pas, par exemple, une œuvre d'art d'une artiste femme qui représente une modèle noire, par exemple. Ça, c'est un sujet qui est tombé, je sais plus, il y a un ou deux ans, bref. Bah là, il va falloir analyser cette œuvre, mais aussi expliciter les questions qu'il y a autour de ces œuvres. Est-ce que ça explicite aussi dans le métier et dans est-ce que ça explicite aussi dans l'actualité du métier, quoi. Voilà. J'espère que c'est clair à peu près. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc je révise comme ça, après je me fais des rappels un peu méthodo, ça c'est via les cours hein, surtout. Je me fais des rappels de vocabulaire, de glossaire, de lexique, notamment pour tout ce qui est architecture, art décoratif et design. Parce que forcément, par exemple l'architecture, c'est pas quelque chose que j'ai vu pendant mes études, donc forcément j'ai des petites lacunes, donc je rattrape ça. Pour les dissertations, en fait, au cours des cours, de mes réflexions, de mes lectures, etc., je me dis, tiens, il y a un sujet comme ça qui pourrait tomber, du coup je me le note dans un coin et je me dis, tiens, faudrait que je bosse cette question, je sais pas, par exemple, la question de l'atelier dans l'histoire de l'art, la question du végétal dans l'art de l'Antiquité jusqu'à nos jours, ça c'était mon dernier sujet de disserte blanche, voilà. Ce genre de sujet, tu vois, j'essaye de le noter dans un coin dans un de mes carnets, et puis de me dire, tiens, faudrait que je fasse des fiches sur ce sujet. Pour l'instant, je peux un peu te dire ça sur mon organisation. Voilà, je pense que je ferai une vidéo un peu plus focus sur comment je m'organise, etc. Surtout quand j'aurai vraiment trouvé une routine qui me convient à 100%, parce que là, je suis, comme je t'ai dit, je suis en tâtonnement, là, ça s'arrange, mais je sais pas encore si c'est très bien, voilà. Ah, et l'autre chose aussi que j'ai oublié de dire pour tout ce qui est révision, etc., c'est extrêmement important de se tenir au courant de l'actualité. Donc parfois les profs nous disent « Oh bah va voir telle conférence là, machin et tout », mais voilà, faut se tenir au courant quand même par soi-même, faut faire des expos, faut visiter des lieux, etc., et pas qu'à Paris. Ça c'est un peu tricky aussi, c'est qu'il faut aller dans la France voir si t'en as la possibilité, les moyens, en dehors aussi de la France, en fonction de ta spécialité. Pour aller voir les musées à l'étranger ou dans d'autres régions de la France, pour aller voir les collections, pour aller voir les œuvres en vrai, c'est important. Si t'as pas encore commencé, si tu prévois de commencer une prépa l'année prochaine, donc septembre de l'année prochaine, il faudra que tu penses à regarder pendant l'été, été début de la rentrée. La SNCF fait des réductions sur les cartes jeunes par exemple. Je sais pas s'ils vont le faire l'année prochaine, mais en tout cas cette année, il y avait des réductions sur les cartes jeunes. Donc j'ai pu en prendre une pour me permettre peut-être au cours de l'année de me déplacer en fait. Donc voilà, c'est quand même quelque chose aussi à prendre en considération, notamment au niveau financier. C'est vraiment un plus quoi de se déplacer en région, c'est quand même... c'est quand même ultra bénéfique. Donc je t'avoue que déjà cet été, quand j'étais dans le sud, j'avais un petit peu préparé ça et je m'étais dit on va en profiter pour faire full musée là où je suis, et voilà. Tout ce qui est anal pour le concours, etc. En fait, sur le site de l'INP, encore une fois, ce sera en barre d'infos, il y a les sujets des concours des années passées. Donc en fait, ça peut te servir d'anal, et surtout que ces dernières années, il y a des commentaires beaucoup plus constructifs de la part du jury qui t'expliquent ce qu'il fallait mettre et ce qu'il fallait faire pour telle disserte, pour tel commentaire, etc. Donc je te mettrai ça en barre d'infos parce que du coup, c'est ça en fait qu'on utilise en tant qu'anal. En bibliothèque, il me semble qu'il doit avoir des références bibliographiques. J'essaierai de te retrouver ça dans ma bibliographie, j'essaierai de te mettre ça en barre d'infos aussi, si je retrouve.
Et après, on m'a demandé aussi si j'avais une aide extérieure. Alors non, j'aimerais beaucoup, mais non, pas du tout. Mis à part le fait que je sois en prépa, que j'ai des cours et des épreuves blanches, ce qui est quand même déjà pas mal, je suis pas toute seule non plus. J'ai pas d'aide extérieure. Déjà dans ma famille, personne n'est dans le milieu de la culture, genre vraiment personne. Je ne connais pas personnellement de conservateur, et donc non, je n'ai pas d'aide extérieure. Mis à part du coup quand je ferai ce fameux stage obligatoire où effectivement je pourrai discuter avec mon ou ma responsable conservateur conservatrice. Donc là oui j'aurai une aide extérieure entre guillemets à qui je peux poser mes questions etc. Sachez que pour vous je prends des risques puisque le miroir vient de me tomber dessus. Bref, ça m'apprendra à faire des vidéos où j'avais envie d'être assise parce que j'avais la flemme d'être debout. Du coup, je vais parler de mon organisation et du coup, je pense, voilà, ce sera tout pour ça. Et du coup, on m'a demandé si ça me paraissait être une étape obligée pour avoir un emploi. Alors, personnellement, étant donné que l'emploi, enfin les emplois en tout cas que je vise, c'était dans la conservation à l'origine, je savais très bien que pour avoir le poste de conservateur, je devrais passer par là. Donc oui, enfin ça je le sais déjà depuis très longtemps que dans tous les cas, si je veux réellement le poste que... Enfin le poste, l'intitulé de métier que je veux, il faut passer ce concours obligatoirement, il n'y a pas trop de laisser-passer, sauf cas très exceptionnels. Mais en fait oui, il faut être, j'allais dire, agrégé de l'INP, mais tu comprends un peu l'image, et surtout que c'est à l'issue de cette formation que l'INP te place dans des postes vacants dans toute la France. Et du coup, après tout ça, certains m'ont demandé comment je me sentais dans la prépa, si ça se passait bien, si pour l'instant je suis satisfaite de la formation. Alors, moi je suis satisfaite de cette formation parce que je savais très bien à quoi m'attendre. Je savais très bien qu'on allait avoir une liberté quand même assez grande, que c'est la fac. Que effectivement on aurait peut-être un minimum de suivi, mais qu'on n'aurait pas un suivi hardcore et qu'on n'allait pas avoir de tuteur, qu'on n'allait pas avoir une aide énorme quoi, on va dire ça dans ce sens là. Je savais que cette prépa je la visais aussi principalement pour avoir des concours blancs et des correcteurs à même de les corriger. Je savais très bien que c'était pas pour les cours quoi que je faisais cette prépa et que c'est pas les cours qui m'ont apporté toutes les connaissances dont j'ai besoin pour le concours quoi. Donc dans ce sens-là je suis satisfaite, mais quelqu'un qui ne savait pas à quoi s'attendre ou qui s'attendait à autre chose, voilà, ça aurait pu me faire une désillusion, donc c'est pour ça que je préfère avertir sur ces sujets-là. Attention. Donc pour l'instant moi ça se passe bien. Après ce qu'il faut aussi remettre dans le contexte, c'est que là j'ai pas enchaîné mon master et ensuite je me suis attaquée à une année de prépa. C'est que j'ai eu avant cette année-là, une année de chômage en fait. J'étais à la recherche d'un emploi et tout. C'était quand même éprouvant mentalement et c'était très pénible. Mais en fait c'est une année surtout où je me suis énormément ennuyée. Ce qui fait que de là, retrouver la fac, de retrouver des cours, de retrouver une routine de travail, de beaucoup lire, etc. Forcément, moi je préfère. C'est beaucoup plus... C'est pas dynamique le terme que je cherche. Mais je pense que tu l'auras compris, mais en soi c'est beaucoup plus intéressant cette année-là. Moi je suis contente parce qu'en plus sur certains sujets, vu qu'on nous a orientés sur des bibliographies et tout, je trouve des réponses à des questions que je me posais sur le monde de la conservation, sur les législations des musées, etc. Donc c'est une année en tout cas qui est extrêmement enrichissante sur le point de vue culturel, et de toute façon quand tu prépares ce concours, tu vas avoir une culture générale de folie, voilà. Et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est préparer ce concours, ça doit pas être vu, même si je le dis en rigolant que je suis une sadomaso de préparer ce concours, ça doit pas être vu que par la douleur, mais c'est aussi un concours qui est très intéressant à préparer, parce que tu te questionnes sur le monde de l'art, le monde de la culture, le monde des musées, que tu fais des recherches sur tel ou tel sujet, que tu découvres peut-être certains artistes que tu ne connaissais pas dans tes révisions, que tu découvres plein de trucs. Donc si t'es quelqu'un qui aime apprendre,
plus particulièrement sur ces sujets-là, mais généralement quand t'es à ce stade-là, normalement l'histoire de l'art tu aimes, quoi, ou archéologie ou autre. Donc moi je trouve que c'est plutôt une année enrichissante, surtout que cette année-là je ne me mets pas non plus une pression de malade, parce que je sais très bien que c'est ma première année de préparation, que c'est extrêmement rare d'avoir le concours du premier coup. Et du coup moi je vois ça comme une année blanche, c'est-à-dire que évidemment je me prépare à fond comme je le peux en cette première année, je fais tout pour avoir les meilleurs scores on va dire, et du moins donner toute ma capacité, mais en contrepartie, si ce qui sera très probable d'ailleurs pour la disserte, si j'ai une mauvaise note, si j'ai une mauvaise note ou quoi, je vais pas me flageller parce que oh là là j'ai une mauvaise note, c'est mort, j'aurai jamais le concours ou quoi. Non, j'ai une mauvaise note, bah ça indique l'état de mes connaissances à un instant T. Je lis les commentaires, les retours pour m'améliorer et voilà, je passe à autre chose. Donc j'ai pas de. Et puis surtout en fait j'ai pas aussi cette pression là parce que j'ai déjà un master entier, un master 2. Donc j'ai pas non plus cette pression que peuvent avoir certains en M2 qui ont que leur M1, qui n'ont pas encore validé de M2, etc. Donc voilà. Et puis en m'engageant dans ces révisions, je sais très bien que ça va prendre plusieurs années pour avoir le concours. Donc voilà, je pense être déjà assez... comment dire, pas mature, c'est pas le terme, parce que en plus de toute façon tout au long de l'année je vais encore maturer et là j'en suis vraiment qu'au stade 1 quoi, voire 0. Mais comment dire, j'ai l'impression d'avoir bien cerné les enjeux et la réalité de ce concours. Du moins c'est l'impression que j'ai eue au pré-rentrée ou quand les professeurs nous donnaient des conseils, nous expliquaient un peu les choses, etc. C'était des choses qui étaient déjà acquises dans mon cerveau. Donc je me dis déjà, on est sur une bonne voie. Mais voilà, donc pour l'instant en fait je me sens très très bien, je me sens extrêmement stimulée aussi. Je suis extrêmement contente de retrouver une routine de travail, de retourner à la biblio, de refaire des recherches, etc. Donc voilà, donc moi je suis très contente. La formation en tant que telle me satisfait par rapport aux besoins que j'ai. Par exemple, j'ai remarqué que dans ce master-là, master DU, il y a des étudiants, d'anciens étudiants en histoire. Là, par exemple, c'est très compliqué parce que ce sont des personnes qui potentiellement n'ont pas du tout eu d'éducation en histoire de l'art et qui ne connaissent pas non plus les méthodologies en histoire de l'art. Voilà, voilà. Donc ça c'est quelque chose d'important si tu comptes passer notamment le concours de l'INP. Il faut quand même avoir un profil d'histoire de l'art. Même si dans la dissertation tu peux prendre une dissertation d'histoire, le commentaire d'œuvre c'est une épreuve d'historien de l'art et ça faut avoir les connaissances qui suivent. Donc voilà, j'ai pu voir certains camarades quand même en grand stress parce que bah, c'est pas leur discipline de base en fait. Et ce concours est quand même très calibré pour des historiens de l'art. Donc voilà, donc moi je suis quand même dans une place où j'ai eu mes études d'histoire de l'art, j'ai fait un master, j'ai fait des recherches. Dans ma spécialité forcément je suis très à l'aise quand même. J'ai des choses quand même à apprendre, j'ai des choses à revoir. Surtout bah, pour la dissertation c'est souvent des chronologies de l'antiquité jusqu'à nos jours, donc sur des périodes qui sont pas forcément de ta spécialité. Donc il faut que j'étoffe un peu mes exemples dans ces chronologies-là. Mais on va pas se le cacher, le fait de faire des analyses YouTube et de faire de la vulgarisation ici, bah ça m'a toujours obligée d'aller voir d'autres chronologies que ma spécialité et j'ai toujours proposé des œuvres en dehors de ma période, de ma spécialité, de mon aire géographique aussi. Donc je me dis c'est bien. En faisant des analyses ici, j'avais déjà commencé un peu à réviser, donc c'est pas mal. Je pense que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, alors ça dépend. Je laisserai, si je réponds pas tout de suite aux commentaires, c'est normal, je laisserai un peu macérer les potentielles questions qu'il y aura sous cette vidéo. Comme ça, s'il y a besoin, je referai une vidéo FAQ avec le cumul de toutes les prochaines questions qui vont se poser, parce que peut-être que là, en disant certaines choses et tout, ça va débloquer des trucs. Donc voilà, je vais laisser macérer un petit temps. Et si c'est vraiment des questions très très urgentes auxquelles je dois répondre tout de suite, voilà, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Comme ça, je sais que c'est urgent et qu'il faut une réponse quand même tout de suite. Et là, je te répondrai. Et si tu laisses
un commentaire sous cette vidéo. Faudra prévoir que je répondrai peut-être plus tard et peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Je pense que c'est une bonne orga. Voilà. Donc dis-moi si t'as d'autres questions. Et puis, nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. Enfin, on va retrouver les analyses. Donc, on se voit dimanche prochain. Salut !